Salut à tous, c'est Indéda et on se retrouve sur Beast Agenda 2030. Donc c'est un petit jeu indépendant qui a le mérite d'être franchement assez original. En gros, pour faire court, le gouvernement, donc en 2030 hein, du coup, j'imagine en tout cas, le gouvernement en 2030 a décidé d'implanter dans la tête des gens une espèce de puce, hein, on va appeler ça comme ça, une espèce de puce. Qui entre guillemets contrôle un peu les foules. Donc il y a deux types de gens. Il y a des gens qui ont accepté la puce, ont dit bon bah écoute, moi ça me pose pas de problème, tout va bien. Et les gens qui au contraire se sont un peu révoltés, qui se sont battus en disant non, pour moi il est hors de question, etc. C'est un peu des. Bah, ils sont considérés hein, honnêtement comme des. Pas des révolutionnaires, mais un peu comme des rebelles, on va dire ça comme ça. Voilà. Globalement. Donc en gros, je me voilà ici. Hein, ça c'est moi, ok, comme Talk quand t'es prêt. Donc bref, en gros, j'ai sauvé la nana qui est là. Bon, on va s'en foutre. J'ai sauvé la nana qui est ici. En gros, elle va pouvoir normalement vendre des choses. On va pouvoir commencer le gameplay tout de suite. Alors, j'ai plusieurs missions qui s'offrent à moi. On va aider la résistance, je pense. Par contre, il faut que j'aille dans quel district? C'est pas indiqué. Alors, on va aller ici, ouais. Non, ça on verra plus tard. Ici c'est quoi? Donc il n'y a pas forcément de district. Ok, bon bah pour l'instant c'est bien. Donc là c'est ma base. Donc qui est un peu plus... on va dire qui est... voilà, c'est un peu plus safe. Et j'ai plusieurs districts. J'ai le district 3 là-bas, bon, qui est bloqué pour le moment. District 2 à gauche qui est aussi bloqué. Donc ça peut être que le district 1. Donc j'ai plusieurs choses à faire. Je peux marcher. Comme ça, me mettre un peu en... À quatre, enfin pas quatre pattes mais accroupi pour essayer de... Oh je dois parler avec Winston, ok. Bon j'arrive, je vais parler avec Winston vite fait. Oui, table. Donc ici, voilà, en gros, ici, donc j'ai mon point de compétence que j'ai ajouté. Tac, 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 on va passer. Oui, il y a plusieurs pages, je sais bien. Alors, je passe vite fait. Hein. En gros voilà, c'était juste pour dire, en gros j'ai mon statut qui est ici, mes points de vie, la batterie que j'ai puisque je peux hacker des voitures, je peux hacker des caméras, je peux vraiment faire beaucoup de choses, mes skills et les missions. Donc pour le moment je dois trouver un membre de la résistance. Donc c'est fait, j'ai déjà pris la mission qui était là-bas, je vais foncer au district 1 du coup. Voilà, me voilà du coup en ville. C'est là que ça devient dangereux, il y a donc une force extraterrestre qui est sortie. Pour le moment me voilà encore caché parce que j'étais en dessous, donc je peux courir. Par contre attention, ça fait du bruit. Je peux marcher, ça fait comme du bruit mais moi. Et je peux aussi rester accroupi, ça me ralentit. Mais à côté de ça, voilà, c'est quand même assez intéressant puisque j'évite de faire du bruit. Alors on va aller dans le motel. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer? Ok, pas mal de choses, c'est cool. Alors, Franklin Dario. D'accord. Bon, en gros, je m'en fous un petit peu. C'est une information. Donc, il y a des espèces d'aliens, hein, d'ovnis qui sont là. Qui sont là pour me checker. Ouh, attention, ça, c'est un alien. Alors, au niveau des armes, pour le moment, j'ai pas grand-chose. J'ai juste ça. Hein, c'est une espèce de petit pistolet. Ouh, attention, il va me voir. Je me planque. Faut que je me planque dans une maison ou quelque chose comme ça. Alors là, les chiens, c'est génial. Les chiens vont m'emmener voir quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, on va aller voir... on va suivre le chien. On va vite, hop, se planquer là, en attendant. Parce qu'il y a une espèce d'ovni qui va arriver. Le chien risque rien, vous en faites pas. C'est plus moi qui risque ma peau, puisque le chien. Donc au niveau des armes, je peux crafter des choses. Je peux crafter des batteries, je peux crafter des bombes, je peux crafter des couteaux. Enfin bref, d'ailleurs, je vais même en faire un. Pff, ouais, non, il faut 10 et j'ai que 1. Donc je vais pas pouvoir le crafter. Par contre, j'ai un petit... j'ai une espèce de petit... vous voyez? Tac, une espèce de petit grappin que je peux lancer. J'ai des bombes, j'ai des bombes pour exploser des portes, j'ai des bombes EMP pour en gros, c'est des bombes à impulsion électromagnétique, enfin électronique je crois. J'ai des bouteilles que je peux lancer pour faire du bruit, pour faire une diversion. Et ça je sais même pas à quoi ça sert pour être honnête avec vous. Donc on va y aller. Je suis le chien déjà voir. Ouf, alors attends. J'ai aussi un taser il me semble, ouais, j'ai le taser qui est là. On va essayer de taser sans qu'il nous voit. Allez, ok go. Dépêche-toi le chien. Tu vas où? Ok, ici il y a de la bouffe. Donc ça, le taser dure longtemps quand même. C'est assez cool pour moi. Alors dis-moi tout, tu m'emmènes où? Ok, donc on va suivre le chien, voir où il nous emmène. Il va emmener vers auprès de lui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Sauf que j'ai pas de medikit. Ok, donc faut choisir un medikit. Ok, donc un medikit je pourrais le... Bon, pas de problème.
La gamme des kits, je pourrais le soigner. Vous voyez, par exemple, cette voiture-là, je peux la hacker. Mais bon, là, il n'y a personne à écraser, donc il n'y a pas d'intérêt. Alors, mission. Cherche à travers la ville un résistant. Ok. Bon, bah, on va trouver un résistant. Il y a bien quelqu'un qui va planquer quelque part. Donc, je vais reprendre mon petit... Voilà, mon petit grappin. Parce que c'est super pratique, quand même. Ça permet, attention, de me déplacer, du coup, sans bruit. Donc, ça, c'est quand même hyper important. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh, un couteau! Bon, ça par contre c'est cool parce que je voulais me le crafter et finalement je pouvais pas, donc ça fait grave plaisir. Alors là il y a deux solutions, vous voyez cette porte là elle est complètement fermée et je n'ai pas le code. Je peux pas encore le hacker, j'ai pas encore la compétence. Plus tard je pourrais mais pour le moment je peux pas. Donc j'ai deux solutions, soit je fais le tour du bâtiment ou soit j'y vais un peu comme un bourrin. Je lance un timer, le timer je vais mettre 20 secondes, je prévois, hop et je me planque de ce côté là. Et là poum ça pète la porte, voilà, globalement c'est ça. Donc je vais rentrer, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans? Oh, il y a un alien dedans. Super, ça valait le coup. Ah, je suis mort, ok, je suis mort. Je suis mort en prenant les notes. Très bien, c'est pas grave, on va pouvoir retenter. Donc vous allez voir que le jeu est extrêmement difficile. J'ai dû recommencer au moins 10 fois juste pour le tuto. Donc c'est autant vous dire que ça ne rigole vraiment pas, quoi. On va accepter et on repart au District 1. Mais ouais, le jeu est assez difficile, vous n'êtes pas équipé. C'est très difficile, je trouve, d'avancer correctement dans le jeu. D'autant plus que les aliens sont hyper nombreux. Oh là là, là, coup de pas de bol, vous voyez, je suis déjà un quart de life de perdu. Je suis rentré dedans, j'ai pas eu de bol. Ok, on va se mettre ici. Et maintenant, on va y aller à la cour. Ok, genre, j'ai été cramé. Là, je suis mid-life, juste parce que je suis rentré dans un bâtiment qui était infesté. Il y en a encore un. Et vous voyez, déjà, là, c'est un des pires runs que j'ai lancé depuis le début. On va se planquer. Il y a des traces de sang, il faudrait peut-être que je les suive aussi pour voir où ça mène. Quelqu'un dedans ou pas là, il n'y a personne, tant mieux. Ok, le sac est vide, donc j'ai déjà dû passer par là j'imagine. Un petit peu auparavant, ici. Ah, alors, ça c'est bien, autorisation. Oh, je peux faire quoi? Ouais, en gros j'ai craqué, j'ai réussi à tenir un peu de scrap. Oh c'est pas mal, 200 c'est énorme. Ah, je peux pas le refaire deuxième fois. Dommage, j'aurais été abusé. Alors, les scraps me permettent normalement de pouvoir crafter pas mal de choses. Mais pour le moment, je peux rien faire. Voilà, globalement, je peux vraiment rien faire. Donc bon, il faut qu'on trouve déjà de l'aide. Alors, j'aimerais bien avoir un... Alors, normalement, d'après ce que j'ai compris dans le jeu, il y aura un système où justement, quand vous trouvez des... Oui, je vais faire moins de bruit, ce qui sont attirés par le bruit. Il y aura un système de quand vous sauvez des gens... Il y a moyen de les faire vous accompagner. Donc les gens peuvent vous accompagner, peuvent vous aider dans pas mal de tâches. Et vous pouvez aussi les envoyer récupérer des ressources. Ça c'était vraiment ce qui m'intéressait dans le jeu. Même si le jeu est très hard, je me dis voilà, chaque gars que tu recrutes, c'est quand même un pas en plus vers la... Vers, on va dire la rédemption, j'allais dire. Mais non, j'ai rien à me faire pardonner. Un pas en plus vers la... Ouh, batterie, tac, tac, ça c'est bien. Moi je vais pouvoir me défendre un petit peu. Je vais récupérer ça aussi. Voilà. Ça c'est quoi? Ah oui, alors tout, on va enlever les... ou un bout d'aide, oui, on va mettre les... Voilà. En gros, les tourelles... Ah bah non, du coup, j'aurais pas dû désactiver les tourelles. J'aurais dû... Faut que je les réactive, du coup, les tourelles. Voilà. Donc, j'ai activé les tourelles, mais pour qu'ils s'en prennent aux aliens. Regarde, là, par exemple, si j'y vais... Je suis peinard. Il n'y a aucune tourelle qui va m'attaquer. Donc, déjà, ça, c'est un super plus. Du coup, je peux jouer avec. Par exemple, si je me mets ici, et que l'alien se fait détecter... Ah, forcément, il va pas se faire détecter, hein. Dommage, bon, c'est pas grave, je peux jouer avec, en tout cas, ça c'est quand même cool. De toute façon, que les aliens ne le savent pas, ça. Ils ne savent pas que j'ai réussi à craquer leur système, globalement. On va y aller ici, toujours personne. Je sais pas du tout les gars de la résistance. Alors, j'ai une map qui est ici, vous voyez. On va essayer de faire carré par carré. Globalement, ça peut être sympa. Parce que pas carré, vous voyez, c'est des morceaux de carré que je débloque. Hein. Oh merde, 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 il y a quelqu'un. Ok. Le gars m'a pas vu, heureusement. Le gars ne m'a pas vu. On va essayer de faire le tour, peut-être qu'ici je peux passer par là. Oh, personne dedans de toute façon, c'est pas grave. Le truc incroyable c'est que je peux quand même... vous voyez, c'est juste que je viens ici, je peux voir à travers. Donc ça c'est un peu dommage. Ah. Ok, donc là c'est un commerçant peut-être. Qu'est-ce que t'as... Oh, bah écoute, je vais trade. Je sais pas du tout ce qu'il vient de me vendre, hein. J'ai accepté mais... Là, c'est des marchands de rue on va dire, des marchands... du marché noir pour faire court. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a vendu? C'est quoi ça? Ah,
c'est une mine. Ah oui, d'accord, une mine, ça peut... Oui, ça peut être pratique, la mine, c'est clair. Ça fait carrément être pratique, même. On va aller ici, personne pour le moment. Ok, on va faire un truc. Ah, je peux pas le hacker, j'ai pas encore le niveau nécessaire pour le hacker. Ok, j'aurais souhaité pouvoir le hacker, mais je peux pas. Donc il y a du sang qui a l'air de mener encore un peu plus haut. Je vais aller voir. Là, pour l'instant, je me mets accroupi pour vraiment pas faire de bruit. Le sang mène par ici. Ici, on répare des bus, très bien. Je vais mettre une bombe, je pense. Je voudrais voir ce qu'il y a dedans. Ça m'intrigue. Ok, parfait. Parfait, les portes ont sauté. Plus qu'à rentrer dedans. Je vais prendre mon grappin si jamais j'ai besoin de m'en aller. Y'a rien dedans? Tout ça pour ça? Ok, bon bah j'ai tout claqué pour rien au final. Bon, c'est pas grave. On va marcher tout doucement. Tac, voilà. Ça fait pas de bruit, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Toujours personne. Mais il est où ce gars là? Je me demande vraiment où il est parce qu'au bout d'un moment ça devient un peu chiant. Voilà, donc là je viens de craquer la caméra de sécurité. Comme ça, vous voyez, je peux marcher dedans maintenant. Avant, ça me faisait un peu peur. Maintenant, je peux y aller. Elle est toujours active, mais c'est pas la bonne cible qui a été prise. Je peux directement la désactiver pour aller plus vite. Bon, on va essayer de passer, on va essayer de faire le tour, je pense. Ok, faisons le tour par là. Par là, il n'y a personne, ok. Donc, vraiment impossible de savoir où se trouve le gars, quoi. Ça, c'est abusé. Ok, stop, 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 on entre. Vite, vite, on entre. Ah, peut-être là. Ah, pas mal. On a besoin d'une distraction. Ok. En gros, on a besoin d'une distraction. Donc ça, c'est quand même cool. C'est pas le membre. C'est pas le membre de la résistance, donc ça m'embête un petit peu, mais c'est comme ça. On a besoin d'une distraction. Tu m'as dit que c'était où, toi? Alors attends, on va aller ici, mission. Ah, c'était bien lui. Il faut que je brûle des arbres. Faut que j'aille là-bas, de toute façon je vais bien voir. Donc faut que j'aille là-bas, au moins c'est marqué sur la map, c'est déjà ça. Oh merde. Ouais, j'ai dû courir pour esquiver les balles, ok super, j'ai du bol. Donc attention au bruit, attention au bruit, attention au bruit. Donc le jeu franchement est fun, hein. Globalement il est quand même assez sympa, ça serait mentir de dire le contraire. Maintenant il est hyper difficile, faut pas avoir peur de recommencer, recommencer, recommencer. Ça c'est un truc voilà, du jeu qui est un peu relou pour certains. Mais... Ok. Ah il y a un bug par contre. Bah je suis en train de crever à cause d'un bug. Ah ça par contre... Oh non ça je déteste quand ça m'arrive dans les jeux. Là c'était clairement un bug, je me suis retrouvé bloqué, je pouvais pas bouger. Là c'était vraiment un bug. Et c'est chiant parce que vu comment j'ai galéré à trouver le gars, ça m'embête un petit peu, mais écoute, c'est pas grave, on va retourner ici. Voilà, on est reparti. Donc on sait qu'il était vers le haut à droite, donc on va y aller plus rapidement. Mais ça c'est un truc que ouais, je déteste, c'est vraiment quand vous vous retrouvez bloqué à cause d'un bug. Ça c'est un truc qui me fait rager, moi, clairement. Donc maintenant, faut que je reparte, ok, donc c'était par là, et à l'opposé quoi. Si je l'ai pas changé entre deux. Parce qu'il est fort probable que les missions soient différentes et que ça change. Oui, c'est ça. Ça va changer à chaque fois en plus. Donc on va devoir recommencer. Et c'est pas grave. Ok, on va essayer d'y aller en scrète. On va essayer d'y aller en scrète. Ici, qu'est-ce qui se passe par là? Encore une valise. Pas mal, il y a plein de trucs dans les valises. Un couteau. Ça, on s'en fout, c'est pour l'histoire. Tac. Une pomme aussi. Je récupère tout ce qui peut me servir à crafter des choses. Ou pour échange aussi. Ok, donc là il y a du monde. Ils sont passés par là derrière la voiture. Personne ne voit. Voilà, super. J'ai réussi à me propulser directement dans la maison. Sans que le gars ait le temps de me voir. Je renverse les poubelles parce qu'il y a des trucs toujours intéressants dedans. Donc à prendre. Ok, ensuite. Pour l'instant, je suis tout à droite. On va essayer de voir si c'est exactement le même endroit ou pas. Sinon, je ferai une petite ellipse. Oh, attention, je vais faire défoncer. C'est bon, ça passe large. Sinon, je vais faire une petite ellipse pour trouver de nouveau le résistant et reprendre là où on s'est arrêté. Ah bah, il était là du coup. Donc, pas du tout au même endroit. Donc, heureusement, je suis tombé dessus. Donc, ça fait plaisir. Au moins, on n'a pas besoin de trop faire d'ellipse. C'est cool. Ok, donc maintenant, où est-ce que je dois aller? You, ouais, bah, you, je suis d'accord, you, mais oui.
J'ai pas de points. Ah, j'ai pas encore débloqué la... Ok, j'ai pas encore été assez loin dans la map pour savoir. Ok, je pense qu'il faut vraiment que je déverrouille la map. À la sortie, j'ai pas besoin d'y aller de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à prendre là-dedans? Donc là, on peut même faire ça. Hop, vous voyez, ça fait diversion. Il se demande ce qui s'est passé. On va aller ici, tranquillou. Ouh, tiens. Alors. Parfait. C'est bon. Voilà, comme ça, hop. Il va détecter maintenant que les méchants et plus moi. Donc ça fait plaisir. Alors regardez, je vais lui dire d'aller en haut. Vers la gauche. On va mettre une vitesse normale. On l'active. Et là... Oh merde, j'ai raté. Ah, j'ai complètement raté. Oh putain, il m'a cramé, ok, je vais barrer en courant. Est-ce que je peux descendre? Ah, je peux pas descendre, ok, vite, on se tire avant qu'il arrive. Ok, pour le moment, donc il y a bien quelqu'un dedans, donc je vais pas y aller. Merde, j'étais cramé. Ok, est-ce que... Donc c'est toujours pas dans... À mon avis, ça doit être par là, donc je vais essayer de descendre un petit peu. Où est-ce que je vais faire cette fameuse diversion, justement? Donc il y a les traces de sang, il faudrait que je les suive aussi pour voir où ça mène. Ouais, exit, ouais, mais j'ai pas envie d'aller vers la sortie. Faut vraiment que je trouve d'où ça vient. Ok, pour l'instant, je suis pas trop cramé. Je vais aller dans cette maison, voir ce qu'il y a dedans quand même. Est-ce que j'ai déjà fait ou pas? Non. Pour l'instant, il y a plein de choses, je sais pas encore trop à quoi ça sert, hein, mais bon. Alors, là, on y est. Donc, à mon avis, ça doit se trouver par là, je pense. Au milieu, là. Là où il y a une espèce de masse sombre. Donc, je vais essayer. Toi, on va essayer de t'envoyer, du coup, vers le haut. On va t'allumer. Et puis go. D'accord. Donc ça a juste foutu le... juste rentré dedans. Parfait. Ok, donc j'ai déjà dû rentrer par là. On va essayer d'avancer. Ok, on va tenter un truc. Non, c'est pas tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. On va mettre 20 secondes. Ça a complètement raté ce que je voulais faire. Je voulais faire totalement autre chose. Vite, allez, reprends-le. Lance-le. Tu programmes ça sur 20 secondes. On va... Allez, ramène-toi. Vas-y, explose, super. Ça a explosé pile pour le moment où je voulais. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir se déguiser. Hop là, pour être un petit peu plus discret. Oh, mais non, je suis déjà allé ici, du coup. Ça m'embête un petit peu. Tac. Bon, moi, je récupère plein de trucs. Donc ça, c'est quand même cool. J'ai pu trouver un déguisement. Rencontre-moi, oui, au truc de musique, je sais bien. Ok, il va me prendre. Je me bats en courant. Ok, ici, personne ne me suit, donc c'est cool. J'ai toujours pas trouvé. Ça doit vraiment être au milieu, là-bas. Donc j'ai intérêt à faire une super traversée. Attendre un truc. On tente le coup, mode all-in. Allez, vite. Ça passe. All in là, j'ai vraiment tenté un truc, c'était histoire de voir ce que ça donnait. On va essayer, bah là j'ai déverrouillé quasiment toute la map pour essayer de descendre un petit peu peut-être, c'est par là. Je sais pas où faut que je fasse cette fameuse diversion. Ça serait là alors. À gauche, ok. On se barre. Ok. Ils savent pas où je suis, donc c'était là, c'est cool. Faut que je fasse une explosion. Alors, ouais, donc là j'ai pas de points, donc j'ai du mal à comprendre. Il faut que je brûle des armes, mais je sais pas comment faire moi. Trouve un moyen de brûler une douzaine d'arbres. Ouais, alors comment je vais faire pour brûler des arbres? Ah bah peut-être avec une bombe, et je suis con, j'utilise toutes mes bombes pour rien en plus. Si je vais genre... C'est où pour les bombes déjà? Ah, des cocktails Molotov. Oh mais j'ai pas assez. Des mines non plus. Des grenades, j'ai pas assez. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Des bombes. Est-ce que je peux faire des bombes? J'ai pas assez pour faire des bombes. Ok, il va vraiment falloir que je trouve des trucs. J'ai au moins une grenade. Je vais attendre ici. Bah ça a pas marché, ça n'a pas brûlé les arbres. Ok. Très bien. Comment faire pour brûler les arbres? C'est la question que je me pose. Donc une bombe n'a pas marché.
Oh, j'ai de l'air parfait pour faire des... D'accord. Ah, donc c'est là qu'on a des herbes. Ok, donc l'herbe me permettra de faire des... Des medikits pour donner au gars qu'on a vu tout à l'heure avec son chien, par exemple. Ok, on va essayer de rentrer là-dedans. Toujours rien. Comment brûler des arbres quand on n'a pas de feu? C'est un peu compliqué. C'est quoi ça? C'est un piège. Ça, c'est une mine. Non, c'est quoi? Ouais, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est électronique, donc ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est un couteau. Je peux jeter ou pas le couteau? Ah, d'accord. Ça l'a pas tué, en fait. En fait, ça sert à rien, du coup, si ça l'a pas tué. C'est un peu dommage. Oh, il y a du feu là-bas. Est-ce que je peux faire un truc avec toi? Non, je peux pas interagir avec toi. Ok. Alors, on va essayer déjà de grimper par là. À qui appartient ce sang déjà? Il y a un mec qui me demande de l'aide. Hey, mister, ok. Par là. Alors, dis-moi tout. Oh. De toute façon, j'ai pas assez, donc j'ai pas pouvoir. Ouais, je récupère des trucs, toujours pas assez. Bah écoutez, je vais faire un petit ellipse du coup, t'en trouver un moyen et je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai dû relancer hein, le jeu plusieurs fois parce que j'ai perdu. Je suis mort des... une bonne dizaine de fois là pour être honnête avec vous. Donc ça doit faire à peu près... Ouais, un peu, ça doit faire genre 1h30 que je joue. Bon, je sais pas combien de temps de vidéo du coup ça fera, mais c'est pas grave. J'ai réussi à retrouver le gars et là il m'a donné un autre objectif cette fois-ci, de recouvrir les posters. Donc du coup il y en aurait à peu près dans toute la ville, donc j'en ai pas aperçu. Après j'ai pas fait gaffe, mais j'en ai pas aperçu. Donc il va falloir qu'on trouve des posters maintenant. Donc là ça va être une autre mission, peut-être un petit peu. Oh, oh non, oh, j'ai failli mourir écrasé. Ouais, là je prends un coup, je suis mort. Ça aurait vraiment été dommage. Ça a vraiment été dommage. Après je vais être honnête avec vous, si jamais je n'arrive pas si jamais j'y arrive pas cette fois-ci, je vais abandonner mon medikit. Ouais, je vais pas voir. Si j'abandonnerai parce que là, ça va être trop long. Mais en gros, voilà, ça vous donne une bonne aperçu du jeu. Le côté survivant, je ne sais pas. J'ai toujours pas réussi à avoir quelqu'un. Donc, pour le moment, je ne sais vraiment pas. Donc, voilà, ce sera à vous de voir. Mais malheureusement, le jeu est vraiment trop hard. Pour un jeu indépendant, ça frôle la bêtise. Là, il y a un moment... oui, un jeu, c'est bien quand c'est dur. Là oui c'est clair, mais là ça devient trop hard, on est tout seul contre 15 000 mecs, on n'a pas moyen de faire quoi que ce soit, on peut même pas se défendre. En fait on s'est victimisé du début jusqu'à la fin dans le jeu, donc ça devient un peu un peu long à la fin. Mais voilà, après le jeu est sympa quand même, il y a du potentiel, je trouve qu'il y a des bonnes idées, sincèrement il y a des bonnes idées dans le jeu. Donc bon. Donc là je vais la faire reculer, un peu comme ça pour essayer de casser. Ah ça n'a pas suffi. Casser ce truc là, tant pis, c'est pas grave. Alors ensuite, le fait qu'on puisse hacker, je trouve que c'est une bonne idée. Ça nous permet de pas jouer trop bourrin. Mais la différence entre jouer bourrin et jouer vraiment en mode tendu là. Parce que là, ça devient vraiment hard. Alors les posters, je sais pas ce qu'ils appellent des... J'en ai pas trouvé un seul. Ah, ça serait ça du coup. Attends, est-ce qu'ils apparaissent sur la map ou pas, juste pour voir? Donc ils apparaissent bien sur la map, ok, donc ça déjà c'est plutôt pas mal. Ok, donc là normalement, si je me trompe pas, je reviens ici, en secrète, et ça m'en fait 1 sur 10, ok. Là c'est beaucoup mieux ça déjà, ça m'évite de chercher comme un as, donc il y en aurait un là-bas. Un là, un autre ici. Ensuite, où est-ce qu'il y en aurait? En haut, tout en haut, il y en aurait tout en haut. Ok, on va essayer de monter tout en haut. Ce qui m'inquiète, c'est que la moindre balle, je suis mort. Ok. Donc tu m'as dit du coup, encore plus, on aurait deux là-bas. Ok, on va essayer de passer par là, peut-être. Peut-être qu'on sera moins embêté. Beaucoup moins embêté. Ah, il y a du monde. Il y a du monde. Alors attends, comment est-ce que je peux m'en débarrasser? J'ai rien pour m'en débarrasser. Surtout de pas faire de bruit. Attends, par contre on peut essayer de distraire. Si je balance une... Merde, c'était pas du tout contre là-bas que je voulais le lancer. Ok super, avec un peu de bol. Je prends aussi.
Et je me barre maintenant, je me barre. Je la joue intelligemment. Je me barre. Qu'un endroit où je suis à la... au moins un endroit où je suis calme ici, voilà. Ici je peux me poser un peu. Ok. Alors, on est bon, du coup on a combien? 4 sur 10, c'est pas mal. En jouant intelligemment, il y a peut-être moyen. J'en ai 2 à récupérer en haut. Pas l'air d'avoir trop d'ennemis, donc ça devrait être intéressant. 2 en haut à récupérer. Ok. On va attendre que les deux gars passent. Donc un là-bas, ouais, c'est ça. Un là-bas. J'aimerais bien la réussir parce que je vais tellement hard que. De plus. Oh, c'est pas mal. On va retourner dans notre QG. En secrète, ici, là. Ok, donc ça m'en fait plus que 4 à récupérer. Il y en a un sur la route à droite. Un là. Un autre ici, je passe à côté, je l'ai pas vu. On va descendre ici, du coup. On va descendre là. On va descendre. Normalement, il n'y a personne. Donc je suis... Voilà, juste ici. Donc, je suis censé être beaucoup mieux. Ça m'en fait plus que 3 à récupérer. Donc les 3... Donc j'ai pas trop découvert, c'est peut-être plus par là. Donc il y en a un sur la route là-bas et un autre là-bas. On va essayer de récupérer celui-là qui est... Celui qui est parti tout là-bas. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. On pourra le récupérer, ça en fera plus de 2 si jamais j'arrive à l'avoir tranquillou. Super, je l'ai. Trop de problème. Par contre j'aimerais bien récupérer un peu d'HP quoi. J'avoue que ça me tend cette histoire-là. Le moindre coup je suis mort, donc j'avoue que... Après il faut que je rentre en plus, donc ça va être compliqué. Donc un haut. Ah, il m'en manquait plus qu'un, bah, un haut, ok, on va essayer de récupérer celui-là. Ok, attention. Au laser. Allez, disparaît, disparaît, hop, on remonte. En fait, ce qui nous sauve, c'est qu'on les voit sur le map, parce que là, se balader au hasard, ça aurait été trop long et trop chiant, donc ils ont bonne idée, là, par contre, de la part des devs. Ok, donc là, c'est du sang-froid, donc tout va bien. Ok, s'il m'en fait plus que un à récupérer. Ok, où est-ce qu'il est? J'en vois pas là. J'en vois plus sur la map. Un près de la mairie. Un près de la mairie. Je peux y aller normalement. Ok, je vais y aller. Oh, on va peut-être réussir enfin la mission. Ça serait quand même super cool. Oh, juste ici. Ouais. Ouais, ok. Mais il faut que j'aille voir le gars. Mais il est où déjà? D'accord, ok. Faut que je retourne voir le gars. J'ai complètement oublié l'été. Ok, bon, on va devoir encore une fois fouiller. Je sais plus du tout où il était, le gars. Donc ça m'embête un petit peu. Voilà, faut que je retourne chez moi, je ne sais pas. Non, je pense qu'il faut quand même que j'aille... Par contre, ça... Oh non, je suis mort, pourquoi, là? Je suis mort, pourquoi? Oh non, j'avais réussi. Oh, la déception. Là, je sais même pas pourquoi je suis mort. Je suis en train de marcher, donc là, impossible. Bah écoutez, je pense que du coup, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo de présentation, enfin, petite façon de parler, parce que moi, j'ai joué depuis... ça fait un long moment maintenant que je joue, donc après, j'en bégaye encore. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à plus tard pour la suite. Ciao, ciao.